Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première session d'information au chapitre des réactions à ces discours du chef de l'État. Notre rédaction a tendu son micro au député national Moïka Sanji, docteur Noël Tchani. Adèle Bissosa pour la suite. Le chef de l'État n'appelle pas des débats dans l'hémicycle, mais en dehors, les uns peuvent commenter positivement. Le chef de l'État a toucher toutes les étapes de la vie sociale, économique, sécuritaire du pays. Donc dans son discours, c'est un discours complet qui répond aux attentes des Congolais. Comme je l'ai dit, il a donné des assurances pour ce qui se passe à l'Est. Il a mis en place l'état de siège qui donne ses prouesses, qui fait ses prouesses par rapport à l'action des militaires sur le terrain, l'armée qui a fait des exploits en termes de conquête des bastions occupés jadis par les ennemis de la paix. Alors c'est en dépit du fait que il y a cette guerre asymétrique, mais les avancées sur le terrain sont vraiment significatives. Les autres également pensent à leur façon et c'est la démocratie. Il y a toute une montagne de promesses qu'il a faites encore, qui s'ajoutent sur les promesses qui étaient faites l'année dernière et qui s'ajoutent encore sur les promesses qui étaient faites il y a 3 ans. Donc il y a toute une montagne de promesses mais qui n'ont pas encore trouvé les débuts de solution. Et il dit qu'on va commencer à résoudre ces problèmes-là en l'an 2022. Je voudrais dire au président de la République, l'an 2022, c'est trop tard. Pourquoi ? Parce que l'an 2023, c'est l'année de campagne. La campagne va commencer en 2022. Donc vous n'aurez plus le temps de pouvoir justifier ce que vous faites. In fine, c'est la population qui sera les derniers juges une fois qu'elle sera appelée aux urnes. Les discours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant le Parlement était le sujet de plusieurs commentaires à Mbandaka. Le dossier des élections de 2023 a été accueilli avec satisfaction. José Maza Osoko, notre correspondant sur place, nous en dit plus. L'adresse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a suscité plusieurs commentaires et interprétations dans la province de l'Équateur. Les uns ont parlé positivement sur l'ouverture du Congo à l'échelon international, l'état d'urgence à l'Ituri et au Nord Kivu, la gratuité de l'enseignement en RDC, les dossiers entre les gouverneurs et les assemblées provinciales de 20 provinces de la RDC, la maladie de coronavirus variant 4 de l'Afrique du Sud, la lutte contre les changements climatiques, la gestion de l'Union africaine comme président en exercice et autres. Par contre, les autres ont analysé négativement l'échec des opérations de la sécurisation de l'Est du pays, la léthargie dans la gestion de la chose publique, res publica, etc. Sur les points des élections de 2023, un habitant de la ville de Mbandaka s'est dit très satisfait par la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le respect de la date du 23 décembre 2023. Il exhorte les politiciens rêveurs de se ressaisir car le temps court très vite. Le chef de l'État a appelé la population congolaise et les acteurs politiques pour leur dire clairement que les élections générales dans notre pays aura bel et bien lieu en 2023. C'est vraiment un point saillant, un point crucial que moi j'ai aimé par rapport au discours du président de la République sur l'état de la nation. Voilà, par rapport à ça, je dois ici interpeller déjà la conscience relayée
le message du chef de l'État pour interpeller tout et chacun en ce qui les concerne, c'est-à-dire d'apprendre ses responsabilités à bras le corps à tous les politiciens, de pouvoir déjà, n'est-ce pas, faire revivre leur état-major politique pour que coûte, nous puissions avoir les élections en 2023. Sachez aussi que le tribunal militaire de garnison de Lutuhi à Bounia a débuté le week-end dernier le procès de John Tibasima. Suivez. D'un côté, le FRDC mate les groupes armés sur les lignes de front et de l'autre, la justice militaire vient en appui pour que tous les auteurs et commanditaires de violence en Ituri subissent la rigueur de la loi pendant l'état de siège, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, mais aussi pour faux et usage de faux. John Tibasima comparaît depuis le week-end dernier devant le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bounia. Selon le ministère public, le prévenu détiendrait de fausses pièces d'identité qu'il aurait produit à partout de l'un de ses téléphones dans l'objectif de tromper les services spécialisés pour entrer frauduleusement en République démocratique du Congo afin de déstabiliser le pouvoir. L'organe accusateur a également soutenu que le prévenu s'identifiant comme le secrétaire général en charge des affaires extérieures de la formation politique Parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo aurait fui le pays pour s'installer au Canada du fait qu'il aurait commis plusieurs crimes en Ituri, a tenté en vain de cacher son identité. Parlant de la seconde prévention liée à un mouvement insurrectionnel, le ministère public a révélé au tribunal militaire que John Tibasima serait d'une part le fondateur de la coalition des groupes armés de l'Ituri et de l'autre le chef de la branche politique d'un mouvement politico-militaire dénommé Union nationale pour le changement intégral avec l'intention de déstabiliser l'Ituri. Au mois d'octobre dernier, John Tibasima a été arrêté par le service de défense et de sécurité à Bounia avec plusieurs cartes d'identité. Sa tentative de corrompre les forces de l'ordre avec un montant de 3 000 $ américains pour le relâcher n'avait pas abouti. Signalons qu'au cours de la même audience consacrée à l'identification du prévenu et des griefs mis à sa charge, le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bounia a pris en délibéré la requête de libération provisoire du prévenu Lick Malembe pour raison de santé. Cet acteur politique est poursuivi par la même juridiction pour propagation de faux bruits. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire du Nord Kivu interdit la perception de la taxe professionnelle annuelle ou frais d'ouverture, une action qui vaut les félicitations et les remerciements des commerçants qui ont longtemps dénoncé cette pratique. Reportage. Commerçants du Nord Kivu, le gouverneur militaire tranche. Plus question des tracasseries, la taxe professionnelle annuelle n'est perçue qu'une seule fois à l'ouverture des boutiques. Le président des boutiquiers de Goma explique ce double emploi. Maintenant, nous félicitons le gouverneur militaire. C'est à jeter des fleurs au gouverneur militaire parce qu'il vient d'apaiser les opérateurs économiques pour faciliter aussi le climat des affaires. Parce que cette taxe-là crée beaucoup de difficultés et d'interprétations, de mauvaises interprétations, pour seulement rationner les opérateurs économiques que nous sommes. Mais aujourd'hui, c'est parce que toute la ville est très contente. La province aussi, Beni Boutembo, on nous appelle, on dit vraiment félicitations. Parmi les pionniers dans la défense des droits des commerçants, au Nord Kivu figure le vice-président de l'Assemblée provinciale en sursis, Jean-Paul Lumbulumbu. Et l'effet générateur du paiement ou du recouvrement de cette taxe-là se trouve être la demande d'ouverture. Ça veut dire que si vous ne faites pas une demande d'ouverture, ou vous l'aviez déjà faite auparavant, vous ne pouvez pas payer la taxe professionnelle annuelle. Malheureusement, nos communes, les mairies, les collectivités chefferies, etc., étaient en train de faire payer cette taxe professionnelle. Et en tant qu'élus du peuple, envoyés par le peuple, nous avons soulevé une motion incidentielle le 4 novembre 2020, demandant le vote d'une recommandation qui exigeait du gouverneur de sursoir au paiement de cette taxe-là parce que c'était une surtaxation, un paiement double. Il dit sa satisfaction et félicite le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. Et je félicite beaucoup le gouverneur Constant Ndima parce que là où il y a de bonnes choses, il faut le féliciter. Je le félicite d'avoir compris la quintessence de cette motion incidentielle qui avait été soulevée à l'époque par votre humble serviteur, et j'encourage les entités territoriales décentralisées à appliquer sans faille cette instruction permanente du gouvernement de province. Pour les préjudices subis aux commerçants,
de porter leurs plaintes auprès des juridictions. Il faut encourager les opérateurs économiques à pouvoir émerger, à pouvoir contribuer à aider l'État à réaliser les capitaux. Et sur cette question-là, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui étaient déjà bloqués, qui se sentaient asphyxiés par le paiement annuel de cette taxe-là qui, légalement, ne devrait être payée qu'une seule fois. L'honorable Jean-Paul Lumbulumbu, député élu de Lubero, souhaite que le Conseil d'État prenne position sur cette perception dans toute la République démocratique du Congo. Sachez aussi que toute la paperasse qu'il y a dans l'administration publique va être numérisée. Tous les arrêtés ministériels entassés depuis des années, les numéros matricules des agents de l'État et autres seront consultables sur ordinateur pour plus de facilité. Regardez. Un pays sans archives bien tenues est comme un aviateur qui a perdu contact avec la tour de contrôle, peut-on lire dans le bureau du directeur de suivi et carrière de la fonction publique. L'administration publique congolaise l'a bien compris, malheureusement, dans la gestion de ressources humaines, elle est impuissante face à la destruction, perte et vétusté des dossiers individuels et actes administratifs des agents publics de l'État qu'elle ne peut bien conserver. Les archives que nous avons ici, ce sont les dossiers des agents et les actes administratifs de gestion. Par exemple, les arrêtés, les ordonnances, les notes circulaires. Face à cette réalité, le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique OPRAP, financé par la Banque mondiale, a décidé d'accompagner la Direction générale des ressources humaines de la fonction publique vers l'archivage électronique. C'est la raison de ces mouvements de déplacement temporaire de la documentation effectuée lundi 15 novembre 2021 vers des conteneurs prévus pour le garder en attendant la mise en place du système d'archivage électronique avec l'objectif d'améliorer non seulement les conditions de travail, mais aussi de permettre de retrouver facilement et à temps pour reconstituer les dossiers individuels de l'ensemble de fonctionnaires de l'État. Nous avions d'abord identifié tout ce qu'il y avait comme dossier individuel des agents. Il y avait plein de dossiers qu'on n'utilisait plus. Et ça ne devait plus être gardé encore ici. On devait les verser au niveau des archives nationales, qu'on appelle aujourd'hui Institut national des archives du Congo. Et ce qui était dans les travées ici, c'est ce que nous avions emballé et déposé au conteneur. S'il faut dénombrer, nous sommes au moins à 3800 quelque chose d'archives déjà prêts pour les archives nationales. Une fois dans les conteneurs, un tri sera effectué sur les documents à numériser après examen et scannage avant de détruire ce qui peuvent l'être. C'est la raison même de la réfection de l'aile 2 du troisième niveau du bâtiment administratif de la fonction publique qui abritera les bureaux de la DGRH et en son sein le service d'archivage moderne. Avec la vision d'avoir un fichier unique de gestion des ressources humaines, et on est en train de faire la montée en charge. Lorsque nous allons basculer dans le système d'archivage électronique, tout ce qu'il y a comme complément d'information en rapport avec le déroulement de la carrière de l'agent, et nous allons facilement identifier quelles sont les pièces qui manquent. Au-delà du basculement de l'archivage mécanique vers l'électronique, il est également prévu pour les agents commis aux archives des formations de renforcement de capacités dans le cadre de la mise en place de ce nouveau système. Le train des élections a déjà quitté la gare avec la fin du séminaire sur l'imprégnation du processus électoral en RDC. Suivez cet élément en grand format.
le séminaire d'imprégnation de ses membres. Ce séminaire s'est déroulé en deux phases, l'imprégnation structurelle et l'imprégnation thématique. La première phase a eu lieu au siège de la CENI, 6 boulevard du 30 juin à Kinshasa-Gombe, du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre 2021. Membres du bureau et de l'Assemblée plénière, le secrétaire exécutif national, le secrétaire exécutif national adjoint, les membres de cabinet, les directeurs et directeurs adjoints du secrétaire exécutif national, les cadres et agents du SEN, la secrétaire exécutive provinciale de Kinshasa, le chef d'antenne de la Gombe, ainsi que ceux de la CELE ont pris part à ce séminaire. Vendredi 26 novembre 2021, cérémonie d'ouverture et début de l'imprégnation structurelle. La cérémonie d'ouverture de l'imprégnation des membres de la CENI, qui s'est déroulée dans la salle Abbé Malou, au siège de l'institution, a été marquée par 4 temps forts. Le mot de bienvenue du SEN, discours d'ouverture, monsieur le président de la CENI. La CENI se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, à la recherche d'une identité nouvelle, d'une nouvelle image de marque et d'une crédibilité renouvelée en tant qu'institution d'appui à la démocratie, chargée d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents. L'objectif donc de ce séminaire est de permettre aux membres de la CENI d'appréhender les enjeux et les défis du processus électoral et d'adopter les grandes orientations pour la gestion de l'institution et l'organisation des futures opérations électorales. Après les exposés, les membres du bureau et de la plénière, accompagnés du SEN et du Sénat, ont procédé à la visite des locaux du siège de la CENI, abritant les différentes directions techniques. Thank you.
Cet exercice intellectuel, loin d'avoir fatigué les esprits, a plutôt apporté un plus dans la connaissance des uns et des autres sur les fondamentaux qu'il faut maîtriser pour prétendre administrer avec efficacité une institution de l'ampleur de la CENI. Je m'en voudrais de ne pas étendre ces félicitations aux cadres et agents de la CENI pour leur contribution remarquable à la réussite du séminaire d'imprégnation et les encourager à continuer à aller de l'avant dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Et notre mission, nous savons tous, c'est organiser des élections crédibles, transparentes, en toute impartialité, en toute indépendance. C'est sur cette note d'espoir et d'engagement que je déclare clos les travaux du séminaire d'imprégnation des membres de la CENI. Je vous remercie en vous souhaitant bon retour chez vous. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à l'équipe technique, à Guy Mawessi, à Jean Donga et à Jérès Ndala.